Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 11 octobre. La famille Babaji est dans l'incompréhension après le meurtre d'Anil. Le corps de ce coiffeur de 37 ans a été découvert sur un terrain en friche hier à Cambenois-Petite-Rivière. Un de ses camarades de beuverie a été inculpé. Arosh Gopal rejette les accusations portées contre lui. Le malheur frappe de nouveau la famille Colin de Pamplemousse. 10 jours après le décès par noyade d'Evan Hattie, 2 ans, sa sœur jumelle, Eva Love, a rendu l'âme ce matin. Les deux fillettes avaient fait une chute dans un bassin dans la cour familiale quand le drame s'est produit. Seuls 21 aspirants médecins sur 72 ont réussi le Medical Registration Examination, une baisse drastique comparativement au précédent examen qui avoisine les 75% de réussite. Une pilule qui a du mal à passer, le niveau des épreuves est jugé trop élevé par des candidats. Confronté à l'annulation des vols au départ de Tel Aviv, l'angoisse s'installe parmi les 36 pèlerins mauriciens bloqués à Bethléem. L'incertitude pèse sur le moral de ce groupe de la paroisse Sainte-Hélène à Kerpip, confie le père Mongelard. L'évêque de Port-Louis et le ministère des Affaires étrangères disent suivre la situation de près. Guerre Israël-Hamas, le pape demande la libération des otages israéliens et s'inquiète du siège de Gaza. La famille Babaji dans l'incompréhension après le meurtre d'Anil. Le corps de ce coiffeur de 37 ans a été découvert sur un terrain en friche hier à Cambenois-Petite-Rivière. Selon les conclusions de l'autopsie, la victime a été étranglée. Un de ses camarades de beuverie a été inculpé. Il s'agit d'Arosh Gopal. Cet habitant de la tour Kénique de 41 ans a été traduit devant le tribunal de Port-Louis cet après-midi. Le suspect rejette les accusations portées contre lui. Dévasté, la mère de la victime témoigne ce soir. Je ne sais pas comment il est arrivé. Je connais comment mon petit pan vient à casa, comme on peut. Dans le rôle, dans tout le temps. Et puis lundi, grand matin, c'est la même. Après, mon pan trouve encore. Il pan vient à casa, lundi, pan vient. Tantôt, il pan vient, mardi aussi, il pan vient. Mardi, qui nous peut rôle. Mardi, il nous peut rôle. Il est là, nous sommes tous sur l'école. Nous sommes tous sur l'école, sur l'école, personne n'est pas fait pour. Les papes prennent, je me dis, mais quand il était, l'autre garçon, mais quand il était. Je me dis, mais l'autre garçon, quand il était, il n'y a pas de trouver, il n'y a pas de venir à casa, pas de soleil, il n'y a pas de soleil, si il allait aussi, il n'y a pas de venir à casa, il n'y a pas de venir. Je me dis, quand il y a une commission, je me dis, oui, ma tante, je ne peux pas venir. Mais je me suis dit, tantôt, là, je me dis, tantôt, là, je me suis dit, pas de venir même à casa. Si pas de venir à casa, je me suis dit, là, il y a une prière, je me suis dit, je ne pas trouver, il n'y a pas encore venir. Le malheur frappe à nouveau la famille Colin de Pamplemousse après le décès par noyade d'Evan Hattie, 2 ans, le 1er octobre dernier. Sa sœur jumelle, Eva Love, a rendu l'âme tôt ce matin. Les deux sœurs avaient fait une chute dans un bassin dans la cour familiale. Quand le drame s'est produit, admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital SSR à Pamplemousse, elle a rendu l'âme tôt ce matin. Une habitante de Coromandel a été arrêtée ce matin par la Cybercrime Unit. Elle est accusée d'avoir usurpé l'identité de Priscilla Sadien, chef d'édition à Radio Plus et présentatrice de l'émission Explique Ouka. La prévenue, identifiée comme Sheila Courtois, a été libérée contre une caution de 5000 roupies. Cette histoire prend racine en février dernier, lorsque Priscilla Sadien a reçu un message d'un responsable d'une société de produits frigorifiques. Ce dernier voulait l'informer qu'elle était injoignable au téléphone et qu'ils s'étaient parlé plus tôt. Cependant, tel n'était pas le cas. Le point avec Sheza Jadou. Le lendemain, Priscilla Sadien a répondu au directeur l'informant qu'elle n'avait jamais contacté qui que ce soit dans ce contexte. En réalité, une tierce personne avait usurpé son identité pour solliciter des dons alimentaires en faveur de deux familles dans le besoin. D'après les explications du directeur, une personne se faisait passer pour Priscilla de Radio Plus, l'avait contactée. Elle lui avait ensuite fourni le numéro de téléphone d'une tierce personne chargée de récupérer les deux colis alimentaires dans les plaines Willems. Le directeur a pu identifier cet intermédiaire qui lui a passé l'usurpation au téléphone le lendemain. Cette dernière avait promis de faire en sorte que les familles expriment leur gratitude à la radio lors de l'émission Explique Ouka. Cependant, ce n'est que le jour suivant que le directeur a réussi à entrer en contact avec la véritable Priscilla Sadien. C'est à ce moment qu'il a réalisé qu'une personne avait effectivement usurpé l'identité de cette chef d'édition de Radio Plus. La police soupçonne que d'autres cas similaires pourraient être détectés. L'enquête se poursuit.
Une habitante de Vallée des Prêtres est actuellement admise aux soins intensifs à l'hôpital Jitou à la suite d'une blessure à l'abdomen infligée par une arme blanche. Selon les premières indications de la police, cette femme de 47 ans aurait infligé elle-même ses blessures à la suite d'une dispute avec son époux hier. Son état de santé suscite de vives inquiétudes. Le couteau a été saisi par la police dans le cadre de l'enquête en cours. La déposition de la victime est attendue par les enquêteurs afin d'établir les circonstances exactes entourant cet incident. Un adolescent de 14 ans a été appréhendé par la police pour vol après avoir dérobé un parfum d'une valeur de 499 roupies. Le collégien a tenté de dissimuler la bouteille dans son pantalon, mais a été repéré par un vigile qui a immédiatement réagi. Suite à une fouille, le mineur a finalement révélé son méfait. Après avoir restitué l'objet volé, il a été autorisé à partir. Je vous le disais au sommaire, 29%, c'est le taux de réussite pour les candidats ayant pris part au Medical Registration Examination, une baisse comparée aux précédents examens. Ces examens sont destinés aux aspirants médecins qui ont complété leur internat. Sur 72 candidats, seulement 21 ont réussi à cette épreuve qui s'est tenue en septembre dernier. Du côté du Medical Council, on affirme que les résultats seront passés en revue à Noubdoukia. Pour réussir à cette épreuve, un candidat doit obtenir au moins 75 points en réponse aux 150 questions. Selon les résultats publiés sur le site du Medical Council, seulement 2 candidats ont obtenu plus de 100 points, 3 ont récolté entre 91 et 100 points, 9 candidats ont obtenu entre 81 et 90 points et 7 candidats ont récolté entre 75 et 80 points. Si certains candidats affichent leur déception et remettent en cause le niveau jugé élevé du questionnaire, il faut savoir que le Medical Registration Examination est organisé par le Medical Council avec la collaboration du Mauritius Examination Syndicate et du National Board of Examination de l'Inde. Chaque candidat doit débourser 13 500 roupies pour prendre part à ces examens. Ceux qui n'ont pas réussi doivent à nouveau prendre part à cette épreuve, alors que les candidats ayant réussi vont pouvoir s'enregistrer comme médecin généraliste pour ensuite commencer à exercer. Le Medical Registration Examination est destiné aux aspirants médecins qui ont complété leur internat de pas moins de 18 mois à la satisfaction du Medical Council. La suite de ce journal juste après la pub. Works for life for work.
Ils devront prendre leur mal en patience. Les 36 pèlerins mauriciens de la paroisse Sainte-Hélène à Cœur-Pipe, menés par le père Gérard Mongelard en Israël, sont toujours bloqués à Bethléem, raison tous les vols au départ de Tel Aviv ont été annulés en raison de la guerre Israël-Hamas. Ce groupe de mauriciens devait prendre l'avion ce mercredi pour la Turquie et de la rentrée au pays. Cependant, l'annulation des vols au départ de Tel Aviv a bouleversé leur plan. Nous devons nous l'hôtel là. Qui accueille nous. Et d'ailleurs, c'est un accueil extraordinaire. Nous sommes nos consommateurs, nos familles ici, comme nous sommes tracassés. Nous restons encore, tant qu'ils n'ont pas gagné notre vol. Mais bien sûr, sa nouvelle de l'annulation de tout ban vol, il secoue beaucoup Banjimoun, il est normal. Et le mood pas trop bon, moi je trouvais. Mais en même temps, ce qui nous capable de dire encore une fois, c'est qu'il nous donne un endroit qui safe, nous le chemin d'ailleurs, moi je trouvais. Et il y a une ambiance tranquille. Nous parlons avec un lieu que nous pouvons prier. Alors donc, grand courage, grande confiance. Et nous pouvons essayer de faire tous les moyens pour nous capables de trouver un vol le plus vite possible pour nous rendre à l'Union Russe. Alors continuez à soutenir nous, continuez à porter notre prière. Et encore une fois, un grand merci à Zotou. Et lors de son audience générale hebdomadaire, le pape François a condamné le terrorisme et l'extrémisme au Moyen-Orient, appelant à une paix fondée sur la justice, le dialogue et le courage de la fraternité. Le pape se dit très préoccupé pour Gaza et demande la libération des otages israéliens, Élodie Deman. Le Moyen-Orient n'a pas besoin de guerre mais de paix, une paix fondée sur la justice, le dialogue et le courage de la fraternité. Le souverain pontife a ainsi demandé la libération immédiate des otages israéliens aux mains du Hamas tout en se disant très préoccupé par le siège de la bande de Gaza. Ceux qui sont attaqués ont le droit de se défendre, mais je suis très préoccupé par le siège total dans lequel vivent les Palestiniens à Gaza, où on dénombre aussi de nombreuses victimes innocentes, a ajouté le pape François. De la fumée noire s'élève près de bâtiments dans la ville d'Ashkelon, dans le sud d'Israël, suite à une nouvelle salve de roquettes tirées depuis la bande de Gaza. De nouveaux raids israéliens ont frappé ce mercredi Gaza, où des immeubles entiers ont été détruits en riposte à l'attaque lancée par le mouvement palestinien Hamas, qui a traumatisé Israël et déclenché une guerre dont les morts se comptent déjà par milliers. Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse Israël de mener non pas une guerre, mais un massacre à Gaza. Ces attaques disproportionnées contre Gaza, sans aucun fondement moral, pourraient placer Israël dans une position inattendue et indésirable aux yeux de l'opinion publique mondiale, a prévenu le président. Des terroristes comme Poutine ou le Hamas prennent des nations en otage, a déclaré Zelensky. Le président de l'Ukraine effectuait sa première visite au siège de l'OTAN à Bruxelles depuis le début de la guerre menée par la Russie en 2022. Un nouveau tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé ce mercredi la province d'Herat en Afghanistan après celui de samedi qui a fait plus de 1000 morts dans la même région. Ce nouveau séisme a fait au moins un mort et sème la panique parmi les habitants déjà traumatisés par une série de secousses à Noubdoukia. Ce nouveau tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé ce mercredi la province d'Herat où des milliers de personnes dormaient dehors pour la quatrième nuit consécutive après que leurs habitations ont été réduites en poussière par le séisme de samedi de magnitude équivalente et ses répliques. Ce nouveau séisme, dont l'épicentre a été détecté à environ 30 km au nord d'Herat, a fait au moins un mort et 130 blessés selon un bilan provisoire. Des Afghans blessés sont soignés dans la cour extérieure d'un hôpital à Herat. Le gouvernement afghan a considérablement revu à la baisse le bilan du séisme qui avait frappé samedi l'ouest de l'Afghanistan pour l'établir à plus de 1000 morts. Les autorités locales et nationales avaient donné des chiffres parfois contradictoires sur le nombre des morts dans le premier séisme avant de le fixer à 2053. Mais le ministre afghan de la Santé, Qalandar Ebad, a rectifié ce bilan aujourd'hui, attribuant la confusion sur les chiffres à l'isolement des zones les plus touchées et un double comptage par différents services impliqués dans les secours.
Dans la nuit de mardi à mercredi, un important incendie a provoqué l'effondrement partiel d'un des parkings de l'aéroport de Luton, situé en périphérie de Londres, au Royaume-Uni. Les services ambulanciers locaux ont précisé que 5 personnes, 4 pompiers et un employé de l'aéroport ont été admises à l'hôpital. Plusieurs blessés sont à déplorer. Tous les vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport ont été suspendus. Un incendie brûle à l'intérieur de la prison de Tacumbu au Paraguay, occupée par des centaines de détenus après que le ministre de la Justice a annoncé publiquement un plan pour reprendre le pouvoir dans les centres pénitentiaires dominés par le clan Rotella, une organisation qui se dédie au trafic de drogue à Asuncio et ses environs. La prison de Tacumbu, la plus grande du Paraguay, héberge environ 3000 détenus. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.